différence qui est importante entre un réseau LoRaWAN et un réseau Sigfox. La technologie LoRa est une technologie qui est, je vais dire, symétrique. C'est-à-dire que la technologie LoRa a une complexité d'émetteur et de récepteur qui sont équivalentes. C'est-à-dire qu'un objet est tout à fait capable de recevoir, de décoder des messages qui viennent d'un autre objet LoRa. Voilà, mais c'est bizarre. Tout à l'heure, je vous ai dit, les objets, ils n'étaient pas faits pour communiquer entre eux. Oui, mais attention. Là, je suis en train de vous parler de LoRa et pas de LoRaWAN. D'accord ? LoRa, c'est un système de communication radio. Un système qui est point à point, un peu comme peut l'être l'Ethernet ou le Wi-Fi. Donc, ça sert à communiquer entre deux objets. D'accord ? Par contre, LoRaWAN, c'est une notion de réseau. Et là, on a un LPWAN. Et dans le LPWAN, on a un cœur de réseau. Et donc, dans l'implémentation LoRaWAN, eh bien, la communication se fait avec un point central qui est la gateway, qui ensuite remonte l'information au cœur de réseau. Et donc, la communication se fait d'un objet vers une gateway, de la gateway vers le cœur de réseau. Et éventuellement, on peut redescendre en suivant le même parcours. Ok, c'était pas super simple ça, mais c'est quand même relativement important. Mais en fait, tu connais déjà ça. Parce que quand tu fais du Wi-Fi, c'est pareil. En Wi-Fi, ton ordinateur A peut communiquer avec l'ordinateur B. Mais quand tu es dans une infrastructure Wi-Fi, ce qui est le cas le plus courant à la maison quand tu utilises ta box, eh bien le message, en fait, il passe de ton ordinateur A vers ta box, et ensuite il redescend de la box vers l'ordinateur B. Voilà. Donc en fait, tu passes aussi par une gateway. Bon, finalement, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors que le Wi-Fi, il permet de faire de la communication en direct, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en mode infrastructure, c'est différent. Donc pour LoRa et LoRaWAN, eh bien c'est pareil. Donc, revenons à nos moutons. Nous avons donc une technologie qui est une technologie qui est symétrique. L'émetteur et le récepteur sont à peu près de même complexité. Alors en fait, c'est quoi une gateway LoRaWAN? Eh bien, c'est finalement pratiquement la même technologie qu'un device, à la différence près que la gateway va avoir un chip un peu plus costaud qui est capable d'écouter plusieurs fréquences en même temps. Parce que les objets, eux, ils vont émettre sur une fréquence à un moment donné. D'accord ? Par contre, la gateway, elle, il faut qu'elle puisse écouter sur toutes les fréquences sur lesquelles les objets peuvent émettre. Donc, on a grosso modo 8 récepteurs, c'est ce qu'on a le plus classiquement en Europe. Donc, 8 récepteurs côté de la gateway, alors qu'on a un seul émetteur-récepteur côté de l'objet. Bon, on a dit qu'on ne parlait pas de LoRa, je crois. Ouais, c'est pas le but. Mais c'est important pour comprendre. Côté Sigfox, on a un système qui est un petit peu différent. Parce que côté Sigfox, on a une technologie qui est asymétrique. C'est-à-dire que l'on a d'un côté un émetteur très simple, super simple, parce que c'est son but en fait. Plus il est simple, moins il va coûter cher, et donc moins l'objet dans lequel il sera va coûter cher. Et donc cet émetteur ultra simple, sa conséquence de sa simplicité, c'est qu'il est beaucoup plus dur à écouter. Et donc, pour l'écouter, il va falloir avoir une gateway qui est un peu costaud, quoi, avec une capacité à écouter beaucoup de choses en même temps et à le décoder. Et donc, c'est ça le cœur de la technologie Sigfox, c'est cette capacité à fabriquer des gateways sous stéroïdes qui vont être capables de décoder des signaux qui viennent d'objets qui sont ultra simples. Donc, concrètement, si on veut faire la différence, eh bien, côté LoRaWAN, on a des gateways qui sont capables d'écouter 8 channels en même temps. Alors, 64 qu'on a aux États-Unis, mais elles coûtent un peu plus cher, parce que c'est une obligation légale. Voilà. Mais en Europe, on est sur 8 canaux en même temps. Alors qu'une gateway Sigfox, elle va écouter 2000 canaux en même temps. Voilà. Et le tout en utilisant une bande de fréquence qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est ça le cœur de la différence entre les deux. Et derrière, en fait, pour mieux comprendre ces technologies-là, en fait, on a un émetteur qui est un émetteur radio assez simple, on va voir un peu comment il fonctionne. Mais de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la Software Defined Radio, SDR. Alors la SDR, tu en as peut-être déjà entendu parler parce que tu as peut-être une clé SDR. D'ailleurs, on va s'en servir tout à l'heure. Donc cette clé-là, elle va te permettre de regarder ce qui se passe sur les ondes. C'est la même clé qui te permet de regarder éventuellement la télé sur ton ordinateur en décodant la TNT. D'ailleurs, souvent, pour faire des clés SDR, on utilise des clés TNT, comme ça, c'est pas cher. Voilà. C'est pas top en qualité, mais ça marche super bien pour bricoler quand même. Donc, une technologie qui est ce qu'on appelle la Software Defined Radio. En gros, qu'est-ce que ça veut dire, la Software Defined Radio? Ça veut dire qu'on va aller capter l'information qui passe dans l'air
de la même façon qu'on a un capteur de température ou quelque chose comme ça, d'accord ? On va aller capter ça, et cette information-là, on va la traiter par du logiciel, d'où le software Define Radio. Et grâce au logiciel, on va pouvoir décoder le signal, un signal basique qu'on appelle un signal IQ. On va pouvoir le décoder, on va pouvoir le transformer en ce qu'on veut. Voilà. Donc si par exemple, vous écoutez la radio avec votre clé SDR, vous pouvez récupérer les signaux qui sont sur la bande de fréquence de votre radio préférée et vous allez pouvoir le décoder, c'est-à-dire décoder en modulation de fréquence, puisque c'est ça, la radio FM, de façon à pouvoir écouter avec vos oreilles ce qu'est en train de dire l'animateur ou la musique qui est en train d'être diffusée. D'accord ? Mais vous allez le faire de façon logicielle. Eh bien, puisque c'est du logiciel, on peut décoder ce que l'on veut, et donc on peut décoder des modulations, comme du Sigfox, par exemple. Voilà. Le petit plus, c'est que si on veut décoder autre chose que du Sigfox, on peut le faire. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions de Sigfox en ce moment qui sont dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en modifiant la couche logicielle qui est à l'intérieur de la gateway, donc de l'antenne, on va dire, eh bien, on peut rajouter des services supplémentaires, rajouter des modulations nouvelles. Et donc, en fait, les solutions technologiques derrière Sigfox ne sont pas sur une seule façon d'émettre l'information, mais aujourd'hui, on commence à voir un mix de façons différentes d'émettre l'information, toujours dans le but de consommer moins d'énergie en communiquant le plus loin possible, et qui va permettre de couvrir des services différents et nouveaux. Bon, on ne va pas aller jusque-là pour rentrer dans le détail, sinon on serait parti sur à peu près 15 jours, voilà. Mais sachez qu'en tout cas, il y a des évolutions qui sont possibles grâce à ça, et que c'est un avantage technologique intéressant.